Bon les amis, H moins combien? Bah il est 23h, le match commence à 21h, donc dans 2h, H-22 finalement. H-22, moi je suis douché pour ma part, pour la part d'Evan Cossu, non. Voilà, comment tu te sens avant 2h du match mec? Ouais, ça va très bien, moi de toute façon je m'en rends pas compte, alors bon. T'as pas fait la transition mec? Ah oui, bon, on l'a refait. Bon, nous sommes le... On est le combien? On est actuellement le premier. Le premier, il est 21h38, c'est bien vu. 21h38, ouais. Voilà, 21h38. Voilà, 21h38 les gars. Actuellement, on se prépare mentalement. Moi, je m'en rends pas compte. Lui, il se rend pas compte encore. Moi, je m'en rends pas compte. Il va voir. Et vous, je pense que vous vous rendez pas compte aussi. Les gars, demain... Demain, c'est match! Demain, c'est une demi-finale d'Europa League. On se retrouve demain pour voir finalement le match le plus important de la saison olympique de Marseille. On se retrouve demain pour voir un beau, un grand match. OM Atalanta. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Olympique de Marseille, vous connaissez forcément, vous regardez ce vlog et que du coup, vous me connaissez moi. Atalanta. On parle de Bergame, équipe italienne qui a battu Liverpool à l'aller 3-0 chez eux. Donc, demain, les gars. Demain, c'est un gros match. Au Vélodrome, voilà. Donc, on se retrouvera demain pour quelque chose de grand. Hein, mon frère ? Ou alors ? J'ai failli faire tomber la caméra d'Adrien. Ou alors, peut-être qu'on se revoit ce soir si on refilme, on sait pas. Peut-être qu'on se revoit ce soir si on refilme. Là, actuellement, on était en train de se regarder le petit match Dortmund-PSG. Allez, Dortmund, hein. Et puis voilà, quoi, finalement. Merci, maman, pour le poulet. Merci, maman, pour le poulet. Voilà. Merci pour les gourmandises qu'elle nous a offertes. Voilà, parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire du père de Florian. Bref, je peux vous raconter ma vie, ça fait déjà 1 minute 30 qu'on parle. Demain les gars, ça va être incroyable, voilà. Allez, on fait une petite transition. Transition quoi? Transition quoi finalement? Fesses. Transition fesses. Ça va être chiant parce qu'on va filmer dans la voiture. Transition olympique de Marseille finalement. C'est ça qu'il faudrait qu'on fasse finalement. Ah, pas sur le maillot. Bah moi aussi j'ai le mien. Il est où mon maillot les gars? Alors regardez ma chambre, c'est un bordel. Non, regarde. Un bordel monstre finalement. Transition Marseille. Transition Marseille. Allez. A plus les gars, demain. Bon, H-22. Oui. Voilà. Comment tu te sens H-22 du match? Ben écoute, Paris vient de perdre déjà, donc ça c'est une grande joie, une grande satisfaction. Voilà. Je suis comblé de bonheur. Maintenant, ça va être à nous d'ajuster sur le terrain, tu vois. Et de tout donner, quoi, tu vois. Tu peux rappeler le match de demain dans 22h, en fait. Atalanta Bergame contre l'Olympique de Marseille, demi-finale d'Europa League. Voilà. Allez. Et nous, enfin, lui plutôt, mais il m'a convaincu, on a une petite pronostic en tête. Moi, pour moi, et j'espère, Flo ne pense pas. Tu penses pas, toi? Non. Moi, pour moi, il va y avoir un petit concert de Jul avant, tu vois, le match, juste avant. Je pense... Grosse dédicace à Juliette d'ailleurs qui va pleurer tous ses morts. Ah, si à ça, voilà. Elle risque de chialer. Si à ça, elle risque de chialer. Mais bon, voilà, j'espère. Bref, écoutez, moi je vais aller filer à la douche. Après, on va faire une bonne nuit de sommeil, une bonne journée de travail finalement. Et puis après, bah, on va voir le match finalement. Hein. On va voir Atlanta contre OGC Nice. Non. Bref, programme de demain. Programme de demain, c'est important, Flo. Ouais, déjà. Bon, attends, mais moi, viens, on le fait, je te laisse toi qui te le fais. Et moi, je parle derrière. D'accord, programme de demain déjà, dans le frigo, on a à manger. Voilà. Donc, de manger, c'est ça. Donc, petite salade de pâtes. Puis de manger, c'est ça. Ça, voilà. Je pense que sous, je pense que demain, je vais revenir et je vais me faire. Ils sont les super, ouais. Filme bien, s'il te plaît, par pitié. Ouais. Bref, on est bien. Donc, pour demain, on est bien. Programme de demain, moi, personnellement, je travaille à 8h. Florian commence à 9h. Petit BTS, bon, Florian. Moi, j'en ai taf normal. On va faire les factures, comme d'habitude. Ensuite, normalement, moi, je finis à 16h25. Morgane, il va essayer de voir pour partir à 16h du taf ou 16h30. Florian, il me rejoint au taf. Soit on va chercher Morgane parce qu'il finit trop tard. Soit Morgane nous rejoint. Soit Morgane nous rejoint et on prend direct l'autoroute. Après, autoroute, normalement, je pense... Donc, départ 16h20, arrivée... 16h30, arrivée 3h plus tard. Donc, si on compte bien, ça fait 19h30. Si on arrive à 19h30, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Voilà. Parce que le match commence à 21h. Parce que Seb il a dit que si on roule à
Parce que Seb, il a dit que c'est. Seb, il a dit que si on roulait à 2,40, on mettait une heure, quoi. Là. Voilà. Oh, 2,40, sur la 7, 2,40, tu mets la 5ème, et voilà. Puis voilà, tu après, vas voir, quoi. Après, il fait deux pleins. Après, il fait deux pleins. Donc, on n'aura pas deux pleins. Bref. Et la voiture ne monte pas à 2,40 aussi. Bref, donc c'est moi qui conduis tout le long. Donc 3 heures. Moi, je pronostique 3 heures de route minimum. Moi, je pronostique 2h15. Donc, toi, t'es un malade. Bref, donc 3 heures de route parce qu'il va y avoir des bouchons. Voilà. Moi, j'ai la meilleure place, je suis derrière, avec toutes les places libres. Avec toutes les places libres. Voilà. Bref, donc voilà, j'espère qu'il va pas pleuvoir parce que sinon ça va être compliqué. Et puis après, on arrive au stade, bim, on joue, pas nous. On gagne, pas nous. On chante, pas nous. Ah, si, on va chanter. Mais moi, je chante pas. Bref. Et après, bah écoutez, 3 heures de route au retour. Je pense qu'on va dormir chez mon père. Voilà. Dans la voiture, dans la voiture. Et. Non, sur BTS Blanc, moi, le lendemain aussi. Mais moi, le truc, c'est que je peux pas dormir dans la voiture parce que je conduis. Et donc, bah, si je conduis, dans la route, je peux pas, mec. Non, bref. On se posait là-haut dans la rue. Ah ouais, là-haut dans la rue. Bref. On fait ça, et puis après, la journée du vendredi, on l'a posée avec Morgane, Florian. Moi, je finis à 11h encore. Je finis à 11h BTS Blanc. Vu que je suis en crack, je finirai à 10h. Et puis voilà, finalement. Comment tu le sens la journée de demain, mec? T'as hâte? Ouais, j'ai hâte. Et puis, on va voir Pascalou parce que le vlog va être sur 2 jours. Ça que je sais pas. Vlog sur 2 jours. Vlog sur 2 jours. C'est une première. Ah non, on a fait Salou sur une semaine. On a fait Salou sur une semaine et j'ai fait longtemps de vlog sur. Bref. Ouais, mais. Donc, on vous réservera une petite surprise à la fin du vlog parce qu'on va vlogger quelque chose. Et moi, je le dis, regardez. Je le dis en face caméra, vous aurez une petite surprise. Là, t'es pas à la face, mec, de la caméra. Bah non, mais je vais le dire comme ça et je vois ta réaction. D'accord. Il y aura une petite surprise pendant ces 2 jours. On va voir une personne, on va juste la voir, lui dire coucou. Donc on pensait pas croiser. Je sais pas qui c'est encore. Ah d'accord, ok. Bon, bah voilà. Le petit easter egg du vlog. Et puis écoutez, on se dit à demain pour un jour très important. Je vais vous emmener avec moi dans ma journée. Et puis voilà, finalement, on est tranquille. Voilà, donc on peut dire. À demain, à deux pieds, à deux couilles, la tête entre les fesses, genoux. Florian. C'est l'heure du match aujourd'hui. C'est le match aujourd'hui, mon gars. Comme de toute mémoire, il y a le match, frère. Il est con, quoi, celui-là. Bref, les amis, il est actuellement 7h28, et comme vous pouvez le voir, j'ai la tête dans le cul, mais je suis en forme. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Donc là, je prends un petit peu à manger, je finis de préparer mes affaires, et on y va. On va au travail. Et voilà, on se retrouve dès qu'il y a de nouvelles choses à dire, de nouvelles choses à montrer. Et puis voilà. Allez les amis, à tout à l'heure. Bon l'équipe, on est en route pour... Voilà, pour Marseille, pour la clim. Nouvel acteur dans le vlog, attention. Nouvel acteur. Il n'a jamais apparu sur ma chaise. Ah oui, jamais. Momo, qu'est-ce que tu penses de l'apparition? Magnifique. Non, magnifique l'apparition. Tu vois bien, classique. Ah ouais, vraiment. Sous-conducteur. 2,40 les gars. 2,40, droite gauche, on est une heure, on est à Marseille les gars. Deux pleins. Bref les gars, là on a encore 2 bonnes heures de route je pense. On a passé Fréjus. Voilà, grâce on vous. Grâce. On a passé Fréjus depuis un moment, chef. Ah ouais, c'est vrai. Bref, je regarde pas les panneaux, on est aux adrés. Faïence. Bref, on se retrouve une fois qu'on est à Marseille. Non, ou s'il y a quelque chose sur la route. Et puis voilà. À Toulon. Hein. À Toulon. À Toulon. Évidemment. Pour ceux qui savent pas, Morgane a menti à sa mère. Et il a dit qu'on allait à Toulon. Alors qu'on est à Marseille. Voilà. Mais non, non. Ouais. Sa mère regarde trop BFM aussi. Bref, allez les amis. À tout à l'heure. Tu peux couper mon pote par en haut, mon pote. Il y a le bouton rouge. Bonsoir les amis. Nous sommes actuellement où? Dans les bouchons. Non, c'est Momo qui va nous dire. Allez. Non mais je te filme. Ah. On est dans les bouchons, là c'est la merde, là ça avance pas. D'accord. Mais c'est pas grave, de hein, toute façon. On a... Et on est où là, on se situe où? On est à Marseille, hein. Non. C'est Marseille bébé. Non, on est pas encore à Marseille là. Écoute, là on a... Marseille-Est. On a bien dépassé Aubagne. On se dirige, on est à 6 km de Marseille. De Marseille-Centre. D'accord. Vous avez hâte? Ça va, écoute, la route, la route s'est bien passée. Beaucoup de vent.
Du coup, la voiture a bougé un peu dans tous les sens, mais ça va. Écoutez, on a fait à peu près 200 km. Et puis voilà, on a hâte de l'ambiance. Ça va être électrique. Et puis Morgan, il a surtout hâte. Morgan il a hâte du résultat. Il a hâte du résultat de la victoire de l'OM, évidemment. Oui, bien sûr. Parce que ce soir, c'est que victoire. Il n'y a pas d'autre mot qui existe. Voilà, donc on vous montre un peu la circulation. Pas voulu la peine. Voilà. Et de l'autre côté, bah, c'est comme ça. Voilà. Un petit mot rajouté, Beloulou ? Bah écoute, est-ce que toi t'as hâte finalement ? Parce que t'as pas posé la question. Moi j'ai totalement hâte, moi. Hier j'avais pas trop envie. Enfin, j'étais pas trop envie. Non, j'étais pas trop hype. J'étais pas trop hype, mais là j'ai hâte. Ok, mon gars. Juste pour mettre le mot de Marseille. D'accord, mec. Voilà. Okay. Et si le mec là-bas s'appelle Mathéo, je me coupe une couille. Voilà. Maintenant c'est posé. Donc on peut se dire à tout à l'heure, Beloulou. Eh bien, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Cut. Oubliez de préciser un truc. Tous ensemble, hip hip hip. Hurrah. Merci. Bon, bien arrivé à Marseille. Bien arrivé. Bien arrivé, c'est Marseille, bébé. Voilà. Donc on s'est garé dans un petit endroit, on vous montrera au retour. On a 20 minutes vers le stade, à peu près. Et voilà. Donc on va vous reprendre au stade, déjà c'est déjà le feu. La ville, tout est bouché et tout. Et devant le stade, on a regardé sur Twitter et tout, c'est le feu de malade. De malade mental. Bref voilà. On a enquillé nos maillots de l'OM. Petit maillot, t'as capté. Moi, j'ai montré hier voilà. Déjà, mais faut... Toi t'as montré hier déjà. Et toi Morgan, il est où? Le maillot de Nice. Il est où ton maillot Morgan? Il est loin le maillot. Ouais, il est loin, comme ton dégradé, bref. On s'attrape quand on est aux alentours du stade et voilà, tout à l'heure. Magnifique. Dieu merci, ma mère elle est pas au courant. Voilà, on se dirige petit à petit. Il y a déjà un mec qui s'est fait écraser une bouteille de verre sur le crâne. Ah. Allez, l'OM, allez. Magnifique, les gars, magnifique. Match fini sur le score de 1-1. Je suis un peu déçu parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de tifo. Il y a eu un petit. Il n'y a pas eu beaucoup de tifo. Un petit. Il y a eu quelques fumigènes, mais pas non plus beaucoup. Mais par contre, les chants, Flo. Ah, les chants, c'était incroyable. 90 minutes de chant. Attends, parce que moi. Attends, passe. Attends, je vais filmer comme ça parce que moi, je connais un Niçois qui a chanté tous les chants de Marseille. Hein. C'est vrai que je connais un Niçois derrière nous. Il a chanté tous les chants, il sautait, qui ne saute pas n'est pas marseillais. Franchement, on dira pas qui c'est. Bon, mal honnêtement, mon gars. Non, franchement, beau match, beau stade, l'ambiance est liée et voilà. Hein. Tu peux nous faire écouter ta voix, t'as un peu la voix cassée, j'ai l'impression. Non, je suis malade. Il a attrapé froid. Bref, là, on rentre à la voiture, on a à peu près 25 minutes de marche. Non, après, franchement, Dortmund, c'est mieux. Et puis, on se retrouve à la voiture.
Et voilà, on se fait encore un petit débrief dans la voiture et voilà. Allez Florian, tout à l'heure. Et transition maillot. Transition maillot. Hop. Bon l'équipe, fin de match. Fin de match, un petit débrief dans la voiture. Evan, qu'est-ce que t'en vas penser? Dis-moi tout. C'était un beau match, une très belle ambiance. Franchement, ça fait plaisir de voir un petit peu l'Olympique de Marseille et d'aller au Vélodrome, surtout. De faire un peu chanter les Niçois et découvrir un petit peu ce qui se passe, quoi, finalement. Voilà. Morgan, qu'est-ce que t'en as Momo, pensé? Ton vrai ressenti, ton vrai. Non, franchement. Allez, sois honnête, prends la caméra, sois honnête. C'est bon. Là, c'est un team avec la caméra. Allez, un team avec la caméra. Non, franchement, beau match. Bon match nul, c'est dommage. Ça veut dire, personne n'est content, personne n'est déçu. Mais bon match, belle ambiance, c'était plein et voilà. Hein. Qu'est-ce que t'en penses de l'ambiance? Non, franchement, bien l'ambiance. T'as bien aimé? Pas mieux que les Allemands, mais c'est bien. T'as bien aimé? Ah oui, franchement, on est là pour le football. T'as passé un bon moment? Bien sûr, malheureusement, je paye 90 balles la place. Voilà. Bref, du coup, là, il nous reste actuellement 2h13 de route. Voilà. Flo, tu veux aussi nous dire ton ressenti? Et puis on s'attrape dès qu'on est à Nice. Dis-moi un peu ton ressenti, Flo. Moi j'ai kiffé. Une ambiance de fou parce que j'étais jamais, quasiment jamais allé dans des stades. Et moi je dis, moi ça me donne envie, enfin, d'aller au match retour, mais même si ça va être compliqué, de retourner au Vélodrome. Voilà. Mais j'ai kiffé, c'était incroyable. Le vieux à côté des vannes, il puait la bière à 20 mètres. Mais bon. Ça fait plaisir. Voilà. Donc, on va aller où après? On rentre direct ou on s'arrête? On va voir, mais ça se tente de. Vous voulez faire quoi? Gigatacos encore? Gigatacos, c'est plus tôt. D'accord. Ouais, bah, même, dit ça, je suis Alan Foot Challenge, moi. Voilà. Donc, Adrien, dédicace pour toi. Je mets la caméra dehors. Wouhou! Voilà. Bon allez, sur ce, on fait des gros bisous et tout à l'heure, peut-être qu'on refilmera, on sait pas. Hein. Voilà. Donc à toutes. Voilà. Transition Momo. Bon, bien arrivé. La titine est garée. Elle a bien tenu, elle a bien travaillé. Voilà, je suis KO perso. Mais bon, j'ai réussi à conduire, donc franchement, je suis vachement content. Les deux boules, ils sont là. Faites pas trop de bruit, les gars. Ça, mon Flo, le trajet s'est bien passé? Oh, j'ai bien conduit, écoute, hein, ouais. Ouais. Et toi, Morgan, ça va? En machine de guerre, Ivan, franchement, de A à Z, le volant, pas mal. Ron, moi, je veux donner une petite pensée aux gros fils de pute qui allument leur plein phare. Hein? Ouais, passe une bonne grosse pensée. Ouais. Bande de gros fils de pute. Ça vous coûte quoi? Et ça leur coûte donne combien? Donne une pensée un peu moins forte, s'il te plaît. Petite pensée aux gros fils de pute. Merde, baisse ton froc, je vous ferai ton cul. Non, on est sur YouTube, mec. Ah, vas-y. Bref, les amis, sur ce, on se retrouve demain. Parce que demain, il y a une petite surprise. Petite suite de vlog. Ah ouais, mais on leur a pas dit aux abonnés. On leur a pas dit aux abonnés, mais est-ce qu'on leur a dit aux abonnés, tu non, penses? On leur dit pas. Demain est un grand jour, demain. Demain. Et demain, il y aura peut-être le propriétaire aussi. Il y a la caméra. Tu auras peut-être le propriétaire de la caméra. Donc on se retrouve demain. Passez une bonne nuit, les loulous. Nous, on va bien dormir. On va s'écraser sur le lit. Pas de douche, rien de crasse. On s'en bat les couilles. Bref. Sur ce, à demain. Et voilà. J'espère que vous avez kiffé cette première partie de vlog. Et maintenant, mission, ne pas faire de bruit en rentrant. Bon, les amis. Actuellement, 10h24, on vient de se réveiller. Enfin, moi personnellement, je viens de me réveiller avec une bonne nuit de sommeil. Morgan, comment vas-tu, mon ami? Ça va, un peu fatigué, mais ça va, c'est le réveil. C'est le réveil. Le temps de démarrer au final. Voilà, exactement. On met le moteur en place avec de la crise d'ailleurs, n'hésitez pas. Bref, là, on va se poser un petit peu, prendre une petite douche parce qu'on est un peu crado. Se poser la journée, tout ça. On va manger un bon petit déj, je pense. Après, Florian va nous rejoindre parce que là, il est en BTS blanc qui va louper. Mais voilà. Sans calculer. Pascal et Valérie, voilà. Bref, sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends s'il y a des trucs à avoir. Mais ce soir,
il y a un événement ce soir. Voilà, je vous en dis pas plus. Suite du vlog. Et non, c'est pas le même pull, je l'ai changé. Tout va bien. Florian nous a rejoint, voilà. Parce que j'ai fait une intro ce matin. Ah ouais, une petite? Une petite intro ce matin. T'as pas tué la surprise? Comment s'est passé ton BTS blanc? Parce que j'ai dit à ton père et à ta mère que t'avais raté. Comment t'as dit ça? Bah, je sais pas. Non, ça va, j'ai réussi. D'accord. Pronostic de la note? 14. D'accord. Toi, Morgan, ça va depuis tout à l'heure? Patate, ça y est, la journée est lancée. Ok, les gars, notez mon flow en commentaire. Tac. Mais connard, je te file dedans quoi. Tu fais un peu. Notez mon flow en commentaire, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez, mon flow? Chox. Les Chox. Voilà. Ça flingue. Ça flingue. Bim. Bah, Lacoste. Bah, Lacoste. Oh, les gars. Ça coche. Et puis, on en parle. Le flocage. Calme, le flocage. Voilà, paillette. Apparemment, une légende, mais bon. Vache que du gamma, Brasil. Hier, les amis, on vous a pas dit, on leur a pas dit. Hier, on a ramené un juif. Il est là. Il est brûlé. Il est plus là. C'est pas grave. Je ne cautionne pas ce qui se passe sur cette chaîne, d'accord? Je ne cautionne pas. Voilà, bref. Là, on va sortir, on va vider un peu la voiture parce qu'on a pas eu la foi. Et puis après, on va aller se prendre un petit bois gras tranquille. Et voilà, hein, ça bouge pas, les gars. Tu connais. Bon, les amis, on est ready. On est ready. On a déposé le petit maman chez lui. Et là, direction la surprise. Direction la surprise, évidemment, on ne sait pas encore ce qu'on fait. On sait ce qu'on fait. Oui, non, mais nous, on sait, évidemment. Mais est-ce qu'on l'annoncerait pas maintenant tout de suite ou est-ce qu'on. Non. La surprise, d'accord. Il y aura des invités surprises aussi. On peut juste vous dire qu'on a 44 minutes de route. Voilà, 44 minutes. On va reprendre l'autoroute comme si ça ne nous avait pas manqué finalement. Voilà. Bonjour monsieur. Pardon. D'accord. Et voilà. Bah écoutez, on vous reprend dès qu'il y a quelque chose de drôle. Voilà. Bah du coup, il y a Flo, donc. Voilà. Oh là là, c'est mignon. Bah t'es drôle, mec. Merci. Adrien, big. Adrien, big up à ta trottinette. Ah oui. RIP. Hein. RIP. Apprends de la médium, mais bon. Ouais, c'est bien. Donc là, on n'a pas joué à pied. On est à route de Bélé. Voilà. Nous descendons, nous prenons d'abord la première des Anglais, si j'ai bien compris. Et après l'autoroute. Donc on va suivre le GPS. Voilà. Sûrement l'avoir rapide. Ouais, voilà. Puis l'autoroute. Direction où? On verra bien. Ah, ça par contre, on peut dire. Vas-y. Direction Mandelieu. Voilà. Direction et Mandelieu. La Nagalé qui se gare comme des connards. Voilà. Allez. Avec le truc tout bas en plus. Et avec le clignotant. Voilà, surtout. Bon, allez, Momo, tu veux rajouter un petit truc? Non, ça va rien spécial. Là. Imagine, on punk pendant qu'on fait une vidéo. Ça serait stylé en fait. Ouais, un peu. Gros accident, ça snap. Coup, on va pas tanker quand même. Hein. On va éviter. Par contre, c'est que la qualité elle est ouf. Hein. La qualité est insane. C'est vraiment dingue. C'est vraiment. Attendez, allez, on prend le virage après je coupe. Hein. Allez, 2,40 hein. 2,40 hein. Oh là là. 2,40 dans les mecs qui arrivent à. Hein. Voilà. Hein. Ouais. Heureusement qu'on a des réflexes finalement. Oui. Hein. D'accord. J'ai cru qu'elle allait prendre le glace. Allez, bisous à toutes. Moi. À toutes filles. Allez. Bisous tout le monde. Bisous. Et on s'arrête sur une belle vie. Est-ce que Marie. Devant le PMU. Tout se passe bien, Dan. Tout se passe bien, on a l'habitude maintenant. Ouais, comment ça va l'habitude hein. Et un péage, allez. Ouh. Non, franchement, ça va. Bon, ouais, il est bien habillé. Il est tout beau. Il est beau comme un cœur. Voilà. Blanche à ma gauche me dit que c'est bientôt la fin. Voilà. On a une petite frayeur, oui et non. Parce que j'ai cru voir la police. La police, ils sont moi. Oui, bon, quand même, si jamais. Oh merde. Bon, les amis, bien arrivé à la surprise. La surprise, elle est assez grande, peu de cheveux. Elle mange bien. C'est mon petit Pascal. Le petit Pascal dans le vlog. Qui va finalement jouer un concert. Voilà, regardez un petit peu dans quoi on est.
on est bien. Voilà, ça va être fou, ça va être fou. Ça va être fou. On va voir Pascal guitaré. Et voilà, hein, on vous reprend dès que ça commence et tout. Et la star, les gars, la star, elle est là. Bref, là, on est posé tranquillement, on attend. C'est à 20h. Il est actuellement 38. Voilà, on s'est pris 3 petites pintes, une petite bouteille de Fanta, une petite bouteille d'eau. Et puis voilà, on va se régaler. Il y a une petite planche de charcuterie, une petite planche de fromage, tout ça. On a goûté un bout de camembert, j'ai plus déjà de la gueule. Mais bon, ça va le faire. Et puis il y a déjà un peu de monde, comme vous pouvez le voir. Et voilà, on vous prend dès qu'il y a un peu d'action. À tout à l'heure. Bon, Florian, tu as une descente. Je n'aimerais pas monter en vélo. J'aimerais hein. pas monter en vélo, celle-là. Bon, et toi, tu as une descente. Moi. Que franchement, petite tortue quoi. Petite tortue. Ouais. Petite tortue pour finir comme le canapé la dernière fois. T'as peur de perdre ta bite ou quoi? Elle va s'envoler. Ouais, voilà, ça va bientôt commencer. On a vu passer des pâtés, des terrines. Elles ont l'air monstrueuses. Après, elle est au buffet à volonté qui est juste là-bas. Les gars, ça s'annonce quand même pas trop mal. Il y a Arthur Bonnet qui est juste là aussi, ça. Oh, c'est Coco Bongo ce soir ou quoi? Oh, c'est Coco Bongo ou quoi ce soir? Je suis déjà fatigué. T'es déjà fatigué? Je suis déjà fatigué. Ça, c'est terrible, ça. C'est terrible. T'es fatigué, toi? Bah, un peu, mais bon. Moi, j'ai un petit truc à dire à la caméra. Tu aurais plus 7 heures, quoi. Et toi, qu'est-ce que t'as à dire à la caméra? Ah, on voit l'intérieur de ma bouche. Je crois qu'on voit l'intérieur de ma bouche. On voit l'intérieur de ta bouche. Hein. Attends, c'est quoi mon problème? T'as pris ou quoi? Ouais. Mais c'est pas ton bon mot. Non, ah non. Il y a la ceinture. Non. Ah oui, il y a la ceinture, c'est vrai. Mais filme bien, s'il te plaît. Voilà. Bref, on reprend juste après. Hein. Magnifique. Magnifique. Regardez, la star, elle est là en vrai. La vraie Sylvester, elle est juste là, avec le t-shirt blanc. Voilà. Donc voilà. On va profiter. On mange bien. On mange bien. Petite planche. Pendant que là-bas ça joue. Bon, Morgan, comment ça se passe? Franchement, super. Super, super ambiance. Au début, tu vois le bar bien rocker. Je te dis, là c'est les motards, mais non, ça va. Flo, ça va? Ah ouais, gars, là on est. On est bien là. On est parfait. Là. On a s'est pris 3 petites bières. Hein. Une petite bouteille d'eau parce qu'on est toujours à l'eau. Vous voyez? Conducteur, toujours à l'eau. Celle-là, je pense que tu te la gardes et tu te la bois entièrement avant de conduire. Je sais pas si ça marche comme ça. Mais... Non, il faut que je pisse surtout. Et puis voilà, hein. On est bien. Voilà. On est bien là. On est bien tranquille. C'est à moi et tu ne la boiras pas. Okay. C'est le vlog. Ça, c'est de l'eau? C'est le vlog. C'est le vlog. Bonjour le vlog. Bonjour le vlog. Bon, petite pause dehors. Les alcoolos qui boivent des bières. Nous, on est calo, les gars. Calo. Il y a encore un programme là. Il y a encore un programme. Bah oui, programme après, ce qu'on fait après. Ah, ce qu'on fait après, mais après tranquille. Après tranquille. Après. Déjà, on rentre. Déjà, on mange. Déjà, s'il n'y a pas contrôle de police, c'est bon. Déjà, s'il n'y a pas contrôle de police, c'est pas mauvais. Mais normalement, ça devrait aller. Normalement, une pinte et demie. Une pinte et demie. J'ai mangé, j'ai bu, ça devrait aller, ça devrait aller. Bon l'équipe, petite soirée finie. Bon moi, qu'est-ce que t'en penses? Franchement c'était bien. À refaire? Pascal, fabuleux. Là, la guitare, incroyable. Et ouais bien sûr, à refaire. Les bières, tu les as trouvées comment les bières? Pas mal. Cher. Cher. Ouais, cher, les moins 16 euros, y aller sur Apple Pay, mon pote. Evan, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah écoute, franchement c'était une super soirée. Un super pré-week-end parce que il faut savoir qu'on est encore. Hier c'était jeudi et aujourd'hui c'est vendredi, du coup, logiquement. Et on n'est pas encore le premier jour de la semaine qui est. Quel jour, Morgan? Lundi. Voilà. Pas lundi, quoi. Bref, non, c'était une super super première fois expérience du concert de Pascal. Pour le faire de la pub, le 21 juin. Le 21 juin, pour ceux que ça intéresse, faites de la musique à la God. Nous on va y aller, on va sûrement vlogger. Et puis voilà, là on rentre tranquillement, on va passer par Colomar comme je vous ai dit tout à l'heure.
Et puis on conclura la vidéo à Colomar, je pense. Enfin, on sera arrivé à la maison. Voilà. Et toi, Flo, qu'est-ce que t'en as pensé de ce soir? Bah écoutez, j'ai plus que kiffé. Le batteur était incroyable. Il y avait une très bonne ambiance. Bon, le patron par contre un petit peu sévère sur les bords. Mais ça peut se comprendre, c'était une soirée c'était une soirée quoi. Je pense qu'il fait ça à chaque fois. Et voilà, là on est à Saint-Lô là. Ouais, Saint-Lô, on va arriver à Nice. Camilla Givan, on monte à Colo et après on va à la mat. Et pour certains, c'est plus le week-end, c'est fini. Fini, le travail recommence. Fin de week-end pour Florian. Fin de vacances plutôt. Fin de vacances, fin de semaine de vacances. Fin de vacances. Mais bon, on finit bien, on finit en beauté. On finit très bien. On finit fatigué mais bien. Ouais. Après, moi j'ai envie de dire Bélec, que ma patronne elle a oublié que la semaine prochaine c'est férié et que j'ai mon jeudi vendredi. Bon, en tout cas, on fait des gros bisous et à tout à l'heure. Julien. À tout à l'heure. Trop aujourd'hui. Bon, les amis, nous sommes actuellement avec Florian et Morgan. Complètement bleu. Complètement bleu, d'ailleurs. C'est une fin de week-end, de pré-week-end. Voilà. Donc voilà, c'était sympa. Voilà, le moment que t'as préféré. Chut. Ah, t'as le droit de demander. Bah oui. Florent, quel est le moment que t'as préféré? Quelle note mets-tu à ce vlog? 9 sur 10 déjà. 9 sur 10 au vlog. Voilà, et ce que j'ai préféré, c'était. J'ai un classement. Vas-y, tes 3 moments préférés dans l'ordre. Alors, bah... Du moins bon au meilleur. C'est quand même des moments qui sont préférés. Donc du moins bon, d'accord. Le moment, c'était l'aller. D'accord. Pour la Marseille. Ouais. Ensuite, le très bien quand même, c'est le concert de mon père. Et le troisième, c'était... Non. Ouais. Deuxième, c'est le concert de mon père. Et le troisième, c'était le match de l'OM. D'accord. Morgan, note du séjour. Et 3 moments préférés. Dans le séjour, j'en ai bien accueilli chez Evan. Déjà. Après, le moment préféré, je pense que c'est le but de Scamacca. Où j'hésitais entre rigoler et finir en martyr dans la tribune. Ou bien pleurer et oublier que je suis niçois. Et coup d'achanté. Le but du mec qui a marqué contre nous. Voilà. Et le pire moment, franchement, le patron qui veut pas qu'on s'amuse dans un bar. Ah ouais, j'avoue. Relou le mec. Ouais. Et la note du séjour, du coup? La note, franchement... Non, en vrai, franchement, un bon 9 sur 10. C'était D'accord. bien. Et toi, Evan, quels ont été tes 3 moments préférés? Alors, mes 3 moments préférés, c'est... Attends, focus. Focus. C'est bon. Mes 3 moments préférés, ça a été... En partant du moins bon moment. Oui. La route allée, parce que c'était sympa. C'était cool. Mais c'était pas... Aussi, voilà. Ensuite, le concert de Pascalou. Ouais. Ensuite, le Vélodrome, évidemment. Ouais, donc comme moi. Pascalou. Ouais. Et la note, je mettrais aussi 9 sur 10. Voilà. Voilà. Donc sur ce, les amis, tout le monde apparaît à la caméra, les gars. On finit tous ensemble. Oh putain! Il est tombé! Ah! Oh, il m'a mis une béquille surtout! Attends, il passe après, les potes. Bon. Attends. Tu prends toi? Ouais, c'est plus simple. Allez, prends. Mais qu'est-ce que tu fais pas? Ouais, sur ce, les amis, on vous dit. On se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures. Ouais, je pense qu'on se retrouvera avant février prochain quand même. Bah oui. Il y aura les vlogs février prochain. Bah oui, mais déjà je pars en cet été, Inch'Allah. Allez. Bref, on se retrouve très vite pour de nouveaux vlogs. Et sur ce, on se dit à la prochaine. J'espère que vous avez kiffé. Abonnez-vous, mettez des petits pouces bleus. Et on vous fait plein de gros bisous. Et moi, je veux dire un truc. Merci pour l'apparition de Morgan sur ce vlog. Et merci pour l'apparition de Lisa dans ce... Tu laisseras ça, s'il te plaît. Ciao, ciao à tous. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao à tous. Ciao, ciao.